peut-être quelqu'un ou pas, je sais pas. Alors, dans la série, il y a que les imbéciles qui n'ont pas d'avis. Ah bah, je vous entends là-bas. Bon, enfin, je m'entends là-bas. Dans cette matinale, comme ça tu veux. Voilà. Bon, on y va, on attaque. Alors, ce soir, c'est du froid. Que du froid. Un seul truc qui a cuit et qui a froidé, ce sont les œufs que j'ai fait cuire. Donc, on va plonger. Bonsoir, les trois qui sont déjà là. Un coup de. Salut Titi. Je fais des trucs végétariens ce soir. Pas vraiment. Bon, en tout cas, c'est des produits de la mer et des fruits. Voilà. Et puis. Et puis, bon, on va y aller. C'est parti. Alors, on plonge la tête. Et... Alors, ici. J'ai pris trois petites boîtes de thon au naturel. Donc je vais commencer déjà à péter le thon. Donc il n'y a pas d'huile dedans, il n'y a que dalle. Et donc ici je vais faire une première prépa globale toute simple. Je vais aller couper le son de l'ordi parce que ça m'énerve. Je reviens. Qu'est-ce que vous coupez là-dedans, vous ? Allez, ouvre dehors. Donc voilà, comme ça, je... Comment on dit ça, on effiloche le thon, tranquillou. Et alors ici, la base de celui-là, ce sera thon mayonnaise. Alors, une partie thon mayonnaise doux, et une partie, on va dire, un peu plus épicée. Donc au départ, on va y aller carrément comme ça. On met une belle cuillère de mayonnaise. Bon, à mon avis, il n'y en a pas assez. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne dis rien d'autre. Ouais, végétarien, je sais pas si tu végètes à quelque chose, si tu en ce moment, mais bon. Voilà, mayonnaise que je me suis pas emmerdé à faire moi-même. Voilà. Donc, je mets comme ça. Je mets un poil de sel, pas plus. Je poivre. On va dire généreusement comme je fais d'habitude. Comme ça, tac tac. Et alors, on peut rajouter pour l'instant, on va mettre un petit peu d'origan. Poudre, évidemment. Origan poudre. Basilic en poudre. Voilà, et on va mélanger le tout. Ah oui, pardon. Et ici, j'ai du citron vert. Paf. Voilà, ça c'est mort. Et du citron vert. Et on va gentiment mélanger ça. Oh. Pour l'instant, j'ai pas encore mis trop de mayonnaise parce que je sais pas... Je sais pas qu'est-ce que ça va donner en finale. Mais ça m'a quand même un peu l'air sec. Donc je vais peut-être devoir aller en remettre un petit peu. Ah bah, le basilic est aussi le basilic il est mort. Hein. Mais j'ai hésité hier à racheter toutes les plantes, mais je me suis dit ça va cramer en deux jours. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de voir? Tu secoues la salade. En vrai, si tu ne les écoutes pas. Je peux rien, c'est pas moi qui a. Ou encore Pidou.
ou âme, ils comprendront. Alors. Ouais, je crois que j'ai rajouté. J'ai rajouté un peu de mayonnaise. Ah oui. Alors, des fois. Pas centré. Alors, c'était comme ça, centré. Je sais jamais où est la caméra, ce truc. Ouais, on s'en remet encore une petite comme ça, on étale et on remélange. Ah oui, pourquoi manger des plats froids quand ça gèle dehors? Eh ben, c'est très bon pour le corps. C'est comme pourquoi vous mangez des barbecues quand il fait 40 degrés. Ben, c'est pareil. On peut faire un barbecue demain, chiche. Mais ils ont prévu de la neige. Donc en fait, ce soir, je fais aucune déco. Je fais que la base, parce que chacun, voilà, chacun pourra décorer ses trucs comme il aura envie. Faut faire quelque chose encore, séparer l'avocat ou quoi. Je vais m'occuper, moi. Tu t'occupes. Me mettre peut-être, juste écaler les œufs. Ok, voilà. Ça va. Merci. Bon, je vais quand même permettre de goûter pour voir si c'est assaisonné comme correctement. Nickel. Alors, je prends une seconde assiette dans laquelle je vais mettre la moitié. Plus ou moins. Donc, on a du thon mayonnaise, on va dire, doux, ici. Voilà, ça c'est une première moitié... ton mayonnaise douce et ici il me reste du cayenne. Alors on y va. Et du piment d'Espelette. Et on y va. Et on mélange. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ou hier, je ne me rappelle plus, demain, ce sera dîner japonais. Ah oui, le fameux gyoza. Ah merde. Comment ça, oh merde? J'ai coupé la tête qui restait dedans. C'est pas grave. On s'en fout. Vous voulez sortir, c'est ça? Là, il est pas chaud. Foulez dehors. Allez, faites attention à vous. Bye bye. Je alors. Si mais j'en sais rien. Alors, on va demander l'avis à la chef Ten pour voir si c'est assaisonné assez piquant pour elle. Alors, on va lui faire goûter ça. My love. J'arrive. On attend. Miam miam. Ouais. Ça arrache pas trop la gueule. Non, bon. Bon, alors ça, ce sera. Ça va, ça goûte du thon. Ben voilà. Ça goûte du thon. Bon, ben, c'est bien. Donc, on a un thon mayonnaise, on va dire, doux. Et un thon mayonnaise piquant. Voilà, pouf. Ouais, je serais peut-être bien de le goûter aussi, moi. Ouais, j'aurais pu être plus généreux avec le piquant. Mais on peut en rajouter si on veut. Bon, alors,
Ça, c'était étape numéro 1. Donc, pour l'instant, ça, j'ai plus besoin. Donc, ça, on met là. Chair d'écrevisse. Chair d'écrevisse. La chair d'écrevisse. Voilà, paf, on met tout dedans. Ouais, on laisse pas un pour la soupe. Un pour vendredi. Un pour vendredi. Donc ici, j'ai les chairs d'écrevisse. Bien, bien. Dans lesquelles, évidemment, on remet. Non, maintenant, je suis occupé, c'est gentil, mais je suis occupé, je n'ai pas le temps d'eux. On remet. Merci en tout cas. Du basilic. De l'Orient. Si j'arrive à ouvrir ce truc. Alors, un peu de citron. Deux tours de sel marin. 50 grammes de poivre. Qu'est-ce que j'ai oublié là-dedans? Ah, la sauce. Sauce cocktail. Sauce cocktail, achetée toute faite. On va pas s'emmerder. Voilà. Bouffe. Et on touille. Je vérifie quand même l'assaisonnement pour un truc. Bien. Alors, je vais couper ça en deux. C'est bon. Voilà. Donc ici, on a ton piquant, ton doux. Les trucs pareils. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre des petits fruits là-dedans. Mandarine avec la chair d'écrevisse cocktail, c'est un pur bonheur. Bah oui, c'est très bon. Faut goûter. Alors, j'avais les couteaux, ils sont là. Tu verras. Hop, tu verras. Voilà, là. Tu peux les fâcher. Oui, le plus emmerdouillant quand vous faites des clémentines ou des mandarines, ou voire même des oranges, c'est d'enlever tous ces petits machins blancs là qui sont pas très appétissants. Surtout quand ça vient vous coller entre les dents. Donc, on va prendre un peu, prendre une minute pour les enlever. Vous ferez plaisir à tout le monde. C'est un mot. Attends, bon, on arrive là. Ok. Ah, mais j'avais pas prévu de poubelle, mais c'est pas grave. Une fois qu'on est là. On va se laisser à laver. Hein. Ouais. Ici, vite fait, bien fait, on enlève encore ces petits machins blancs. On coupe ça simplement en deux et on va prendre. Eh ben, on prend le premier, tac. On met ça directement avec la chair d'écrevisse. Ok. Mais ah, la cocktail. La cocktail, on a encore tout plein des sauces, t'inquiète. Encore un tout à pot là. Ouais, je sais bien. Mais ça, c'est plus facile pour. Si tu veux. Ok. Quand on a que deux mains disponibles. Alors, personne ne veut lâcher, non?
Les chats, les chats. C'est quoi ça? Les chats font grève. Hé, hé, j'ai pas de chat. Les chats font grève. Non, pas du tout. Ils sont à deux, là, à trois. Ah bon, quand même. On n'a pas de chier, je crois pour autre chose, mais non, bah, ils sont restés avec l'assiette. Hein. Tu as trop mis de poids, moi, je sais pas. Tu te rappelles quand un jour j'avais fait des asperges à la flamande, mais qui étaient vachement piquantes, ils auront quand même tout bouffé. Hein. Voilà, donc ici j'ai mis un petit morceau. Et je fais la lessive aussi, donc je peux nettoyer mon pantalon et nettoyer par terre. Pas, oh, bah, c'est pas grave, attends, elle est où? Elle est devant tes pieds. Elle est là. Merci, Pat. Vous avez rien vu. Un ordinateur à l'envers. C'est bon, si, mais on peut délire comme ça, comme ça, donc c'est sympa. Une cuillère propre, qui n'est pas tombée par terre. On est à fond, je vous raconte. On est à fond. T'as déjà rempli ta boîte là? Non, j'ai encore rien foutu. Voilà, donc ici j'ai fait donc chair d'écrevisse. Attends, je plonge le truc. Donc ici j'ai fait donc une demi-barquette de chair d'écrevisse avec une demi clémentine. Donc c'est des mandarines. Des clémentines. Des clémentines. Ah non, c'est des mandarines. Ah ouais. Ouais, c'est des mandarines. Une demi-mandarine. Ça on peut. Ça on peut encore. Ça, on peut encore les laisser à table pour ceux qui ont envie de rajouter. Voilà. C'est selon. Tac. Donc, clémentine, bye bye. Alors, oh, avocat. Ils sont aussi presque assoiffés, là. Un bel avocat. J'ai pas oublié que j'ai bien aiguisé le couteau. Tac. Ouais, il est beau. C'est beau, chouchou. Oh, qu'il est beau, l'avocat. Et on va se le sortir hélico presto subito. Voilà, nickel. Waouh, bon. Et donc on va faire une assiette donc avec des clémentines et une assiette donc avocat donc pour la chair d'écrevisse. Et voilà le travail. Zou. Et on tourne, évidemment, on va mélanger tout ça gentiment. J'aurais quand même foutu la deuxième barquette. Hein? J'aurais mis la deuxième. Mais nous, c'est pour ce soir, voilà, bon, je crois, avec tout le monde. Bon, coup, je ne m'avais pas lu, j'arrive. Ah oui, pardon, c'est chaud. Hein, c'est chaud, ça, ouais. Je sais. You know I love you. Me too. Et voilà. Et il ne reste plus qu'un truc à faire. Regardez. Ça, ce sont des pêches. Des pêches qu'on a égouttées. Alors, soit vous pouvez également les marier avec vos écrevisses, ou alors vous les gardez pour vos thons. Voilà. Tout simplement. Bah, je crois, je sais qu'est-ce qu'on mange demain. Voilà, on va en entrée. Hein. En entrée. Alors. Je crois qu'il est bon, l'avocat. Hein. Ici, on va se couper un petit œuf. Un petit œuf. Je vais voilà, on va déposer ça gentiment comme ça sur le côté. Tac. Comme ça les personnes se serviront comme ils auront envie de se servir. Voilà, tac.
Et alors, au lieu de commencer à faire des assiettes et des préparations, ben, vous mettez tous les plats à table, en plein milieu de la table, et chacun se sert et se compose son assiette comme il aura envie de le faire. Comme un buffet. Voilà, comme un petit buffet. Voilà, tout. Voilà, gentiment. Voilà. Je mange ça, moi. On termine ça. Voilà. Donc là, vous pouvez, par exemple, évider des tomates. Évider les tomates et mettre ça avec. Bah, tu sais quoi, je vais mettre des tomates dans la salade. Ouais. Des petits pains. Alors, si vous avez par exemple des avocats qui sont beaucoup trop mûrs, bah, faites une vinaigrette à base d'avocats. C'est absolument génial. Si un jour vous ne savez pas comment faire, Diana, elle a une recette top top. Ah non, il faut appeler ma mère. Hein. Ou ta mère. Si vous parlez allemand, vous pouvez appeler sa mère. On vous filera le numéro. Bah, vous vous démerdez. Voilà, boum. Voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. On a un gros plat de salade qui est prêt, on a des baguettes. Bon, pour les épicuriens, avec du beurre salé. Et puis, il y a tout ça qu'on va pouvoir mettre sur notre plat. Non, j'ai oublié de mélanger... ceci, voilà. Donc, mandarine et chair d'écrevisse sauce cocktail. Alors, on va laisser les assaisonnements à table si quelqu'un éventuellement. Salut, bonjour. Si quelqu'un voudrait éventuellement avoir ça un peu plus assaisonné, un peu plus relevé. Bah, chacun son goût. Voilà, chacun pourra accommoder ça à son goût. Voilà. Voilà, petit repas simpliste et light entre celui d'hier, ouais, celui qui nous attend demain et puis donc voilà, le deuxième service terminé et petit va voilà. Donc ton piquant, enfin ton mayonnaise piquant, ton doux. Écrevisse aux mandarines et écrevisse à l'avocat. Voilà. Pêche, peu cuit dur, salade, ça, donc c'est une salade mixte, chêne, frisé, iceberg, un peu de tout. Mais 11. Bonsoir les 11. Donc voilà. Il n'y a pas un truc qui a chauffé à part les œufs qui ont cuit pendant une nuit dans une casserole d'eau chaude. C'est tout, voilà, ce soir, la vaisselle. Salut Agnès. Alors, t'as encore rien filmé dernièrement là ? Non, peut-être que t'as pas eu le temps. Alors, on va planquer tout ça. Et demain, je ne sais pas quelle heure je vais vous prendre pour les gyoza parce que ça prend quand même du temps. Madame. Allez, la terre est basse. Alors voilà. Bon, on va planquer tout ça. Ce serait bien de crever une grille là-dessus. Mais j'ai pas acheté de souris grise. Bon ben voilà, ça c'est terminé. On va planquer tout ça avant que Jade se barre avec. Et bon, je vais vite 5 minutes devant l'ordi filmer une clope, voir un peu ce que vous avez écrit. Et puis après ça, on vous dira bonsoir. Je peux te laisser ranger, mon amour. Oui. Merci. Je suis en train de ranger. Bon, on va faire planquer sur tout ce qui est là. Alors, badaboum. Ouais, merci. Attendez, je vais finir l'apéro avec vous et puis on passera à table. Voilà.
Bon, vous avez vu, c'était rapide. Bon, il est vrai que j'ai pas perdu de temps à fignoler la décoration. Chose que j'aime bien, vous proposer d'habitude. Alors, je change d'assistant, mais j'ai failli perdre un doigt dans la manœuvre. Et je vous colle là. Tac, sans les mains. Ouais, j'ai réussi à le recoller. J'ai réussi à le recoller. Alors, vous êtes encore 10. Bon, je lis vite fait ce que vous avez écrit. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là en tout. Et alors, la souris, elle remonte. Alors, une petite clope. Parce que la vapote, ça va bien. Je ferai peut-être l'après-midi. Bonjour. Et comme ils n'étaient pas assez courts, je suis retourné chez la coiffeuse. Alors, attends, je regarde plus là, je regardais là. Alors, Titi était le premier. Obi Hop, Napi, bon cher. Alors, des recettes. Bah, oui, mais je fais avec plaisir aussi. Et puis, vous voyez, on peut cuisiner facilement, simplement, en s'amusant en plus. Donc, c'est ludique. Alors, on avait donc Bonjour qui nous a fait coucou. Titi, oui, bon, bah, ça. Alors, petite femme, c'est là-bas. Oui, mon Dieu. Absolument. Bon, décontraction. Alors, trop stylé, ta machine à couper. Quoi, tu le truc pour couper les œufs là-bas, c'est un vieux machin, ça déjà. Donc j'avais vu Rose et Agnès qui était passé faire coucou, c'était sympa aussi. J'arrive toujours à la guerre, toujours après la guerre, ouais, écoute. Alors attends, comme demain c'est un truc qui va prendre du temps, je crois que je démarrerai le live à 18h. En même temps que l'apéro. Donc le live demain, il va démarrer à 18h tapante. Si je suis pas endormi. Alors je pense avoir assez traîné au PMU pour reconnaître ta couleur. C'est pas la couleur de quoi? Voilà. Bon, ben, ce live, il est fait. Il est dans la boîte. Vous êtes 12. Donc, demain, Guillaume, mais à ce moment-là, on va les faire pas comme... on a eu déjà la chance deux fois de faire. C'est que... on va pas les pré-cuire la poêle pour durcir le fond. Et puis après les cuire à l'eau, on va aller directement les faire à la vapeur et puis on va voir ce que ça va donner. Ça, j'ai une voix caverneuse. Bah, l'année elle a démarré de façon formidable. Et ça fait qu'avancer le 42e jour de l'an. Nickel. Nickel, nickel. Donc, avec ça, bah, vous ne vous cassez pas, vous achetez de la baguette, et puis chacun va se confectionner sa petite assiette comme il aura envie. Vous n'imposez rien à personne. Aujourd'hui, c'est du freestyle, voilà. Donc, demain, gyoza, là, c'est... donc c'est la viande hachée. Ouais, Titi, je suis désolé, on va rebouffer de la barbac. C'est la viande hachée de bœuf et de veau, assaisonnée avec
du gingembre, la coriandre en plus de ce que je mets d'habitude. Avec du pain toasté, ça doit être trop bon. Le pain toasté, c'est pour jeudi. Que je prépare des petites joyeusetés à la gelée à l'armagnac avec des fruits sur des petites poutres de foie gras. Ah oui, tiens. Tiens quoi? Mais tiens quoi, on aura donné un avocat, je vais faire une crêpe à la repas. Voilà. Si je ne l'ai pas bouffé avant. Elle a des bonnes idées. Hein. Non, je vais essayer de faire des petits trucs avec la gelée à l'armagnac. Mais cette fois-ci, je mets double dose d'armagnac parce que c'était pas assez parfumé. Et je vais voir, parce que j'ai des petits verres en plastique, ce sont des petits verres à dégustation. Et je vais voir si je ne peux pas arriver à faire un montage avec ça. Donc j'ai un petit Dremel, vous savez, des trucs pour faire des petits trous, des petites gravures sur bois ou sur d'autres surfaces. Hein. Il va falloir que j'aille percer des petits trous pour pouvoir, une fois que j'ai mis de la gelée, mettre un fruit noir ou rouge, et puis le percer pour pas qu'il tombe dans le fond du truc. Et la gelée doit durcir au frigo. Donc ça, je vais m'amuser, à mon avis, je crois que je vais faire ça demain. Donc comme ça pourra refroidir minimum 24 heures au frigo, à mon avis, c'est un peu juste. Et puis si ça ne va pas, on fera autre chose, et puis on va se les garder pour plus tard, hein. Ça ne devient pas mauvais. Hein. Une fois que c'est dans la gelée, vous pouvez garder ça au moins 2 semaines facile. Si le bœuf est végétarien, à ton avis, il a bouffé quoi? C'est pas du bœuf enragé. Bon, j'ai toujours pas. Ah oui, en fait, j'ai pas lancé le concours là. Alors, qui peut me répondre? Mais quel est le couillon qui a été foutre un virus dans la Corona? Déjà, là, cette bière là est déjà assez dégueulasse comme ça. Faut pas lui rajouter un virus en plus, quoi. Le monde est devenu fou, il est inconscient. Bon, allez, on sort ça. On va rentrer ça avant qu'il pleuve, faut le dire à quelqu'un. Et on se retrouvera demain. Voilà. Pour le troisième service. Ouais, c'est pas du tennis, hein. Mais quoique. C'est quand même un peu du sport, hein. Là qu'il est, voilà. C'est un peu du sport. Tout le monde me dit, ouais, maintenant tu fais pas du sport, ben, si. La preuve. Alors, quel concours du pardon, c'était juste une boutade, pour déconner. Non, je demandais, mais trouvez-moi un peu le nom de la personne idiote qui a été mettre un virus dans la bière mexicaine, la Corona, là. C'était juste un peu pour dénigrer le fait que c'est une bière infecte. Enfin, à moins qu'on aime moins, qu'on aime la pisse, ça c'est autre chose. Bon, trêve de sonnerie. Je vais prendre congé de vous. Je vous remercie d'avoir été là. Vous voyez, on a fait court 34 000 piles. Et je vous dis à demain. Bye bye. Je vous embrasse. Passez une bonne soirée.